Salut, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour pas dire l'annonce, mais en fait pour vous présenter le programme d'e-racing sur la chaîne. Donc je continue mon abonnement. Je vais donc cette fois-ci changer de voiture. On va partir sur la Skip Barber et sur la Porsche 900 GT3 que j'ai acheté suite à l'argent que j'ai gagné parce que j'avais fait plus de 8 courses dans les championnats. Enfin bref, si vous suivez la chaîne ou si vous connaissez un peu e-racing, je ne vous apprends rien. Donc, le gros avantage avec la Skip Barber, c'est qu'il y a des courses toutes les heures. Est-ce que c'est le début? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde quasiment tout le temps. Ça, c'est intéressant. Ça doit être, ouais, c'est 18 tours, c'est un format de 18 tours. Donc, ça, c'est pas trop long, c'est intéressant. Et sur la Porsche, c'est sur 19 tours. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu s'il y avait du monde ou des choses comme ça. On va voir. J'ai pas encore trop de recul par rapport à ça. Je vais de toute façon vous alterner entre l'une et l'autre, tout dépendra en fait de la qualité de la course. Je vous cache pas que je vous mettrai pas une course de merde, ça forcément c'est évident. Et la petite différence, et je vais essayer de m'y tenir, c'est de partir sur des courses en VR. Alors vous savez que je suis pas forcément fan, enfin j'aime bien la VR, mais j'aime pas son côté non pratique parce qu'on est fermé. Dans le système, j'ai des petits soucis avec certains jeux d'optimisation, notamment R Factor 2. On va pas revenir là-dessus. Alors qu'e-racing consomme quasiment rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme. Donc voilà, on va essayer de partir sur la VR. Je vais essayer de me trouver un ventilo, une clim, bref, je ne sais pas. Je vais m'acheter aussi le VR cover. J'ai un VR cover sur le casque, je l'ai pas là, mais il est pas assez épais, donc je vais prendre le modèle supérieur pour dire d'avoir un peu moins de frottement sur les lentilles, ce qui salit à force les lentilles. Je suis obligé de les nettoyer assez rapidement. Donc bref, je vais en tout cas essayer, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'immersion, c'est quelque chose d'incomparable et de, je vais pas dire d'indescriptible, mais c'est difficile à vous retranscrire. N'hésitez pas à me dire, je le redirai dans mes vidéos si ça vous dérange. Alors, on va aborder un petit tournant dans la chaîne, c'est-à-dire que je vais d'abord essayer aussi de me faire plaisir, parce qu'à force de tourner, et de toute façon je vous l'ai déjà rabâché plusieurs fois de ne pas forcément avoir les retours souhaités, et ben on va essayer de changer la donne et moi aussi de me faire plaisir, c'est-à-dire que si j'ai envie de rouler en VR, je roulerai en VR. Si j'ai pas beaucoup de vues, ben j'aurai pas beaucoup de vues, mais je fais en sorte que ben, ça me fasse autant plaisir à moi qu'à vous. Donc, on va tourner en VR. Je pense que je vais commencer par une première session sur la Skip. Parce que là où je tourne, là, on est déjà vendredi. Donc, il me reste déjà plus que 3 jours pour faire la première semaine. Donc, semaine 1, championnat, deuxième saison de 2019. Et bien, écoutez, on est parti. A tout de suite. Bon, et ben salut, on se retrouve sur la grille. Je suis 15e, donc on se retrouve comme prévu sur la première manche en Skip Barber, donc sur Summit Point, Raceway pour être précis, des formats de 18 tours, et énormément de monde à chaque session. Alors je vais essayer de pas trop bouger pour que vous n'ayez pas le mal de mer, et moi je vais essayer de me faire plaisir. Visiblement, je suis dans un soft assez important. Allez, ça part dans 30 secondes. 18 laps. The track temp is 26 Celsius. Okay, sir, are you ready? Watch for the lights. Go! On the left. Clear on the left. On the left. Allez, à gauche, il tente. Still there. Laissez passer. Clear on the left side. Clear left. Ouh. Ah, lui fait la tondeuse. Car left. Your left side is clear. Good stop light.
Allez, ça dégage à gauche à droite. Allez, alors qu'on est déjà dans le top 10. Garbuge, garbuge. On profite un peu de tout ça. Alors ça donnera raison à tous ceux qui disent qu'il faut démarrer derrière. Sector 3 times quick. Alors que je crois pas avoir remis le fuel, je sais pas s'il se remet de base, donc que ça se trouve je vais me faire avoir. Ok sir, don't let this guy distract you. Ce serait dommage. Bon, lui il va y aller à droite. Watch your right. Your right side's clear. Il est mieux sorti. Oh là là, tu me fais peur petit. Still there. Still there. Allez, freinage. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Je le vois pas, je le vois pas. Oh, il est juste là. Hold your line. Hold your line. Ouf, ouf, ouf. Je préfère laisser. Right. Flag, you wet about you, mate.
Allez, ça se bat devant, il y a trois voitures à rattraper. Ah, c'est bon, les pneus sont en température, on est bien. On va pouvoir un petit peu essayer de monter le niveau, le rythme. Alors derrière aussi ça revient à moins d'une seconde. Ça va être un petit peu chiant ça. C'est plus rapide que moi visiblement. Attention au freinage, ça va essayer de me déborder. On the right. Still there. Hold that line. Je sais pas si vous avez vu ces roues. Still there. Mais moi je les ai vues. Still there. Your right side's clear. Get a car on your left. Bien joué. Il les croise. Il veut juste apparaître là. Still there. Hold your line. Still there. Hold your line. Ouh, j'ai pas vu par contre. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Hold your line. Je vais lâcher un peu parce que de toute façon sinon ça finira. Still there. Non, still there. Still there. Hold your line. Still there. Ah, j'ai lâché, hold lui peut-être aussi. Comme quoi. Hold your line. Your left's clear. Quand les gars sont propres, ça passe. Turn to position. Left side. Still there. Still there. Ouais, mais serre pas, grand, me serre pas, hein. Oh. Clear on the left. Je pense pas que ce soit moi. Ah, c'est la dernière fois deux. Sector 2 is 2.0 seconds off the pace. En tout cas, je l'ai pas senti dans mon volant, donc j'en sais rien. Mais si ma mienne faut 2, c'est qu'il y a eu un contact. Donc, potentiellement. Allez, on va s'attaquer à la bleue devant, James, aux couleurs de la Formule 1 Benetton de l'époque. Alors, à combien il est ? 2 secondes. Je me suis pris 2e, il passe plus vite que moi. Là, je suis un peu plus rapide. Ah, ça va, j'ai bien passé ici. Et lui aussi, donc c'est pas là que je vais rattraper.
bientôt à la mi-course, voilà. That lap was at 22.45. Sectors 1 and 3 are 0.7 off the pace. Sector 2 is 0.5 off the pace. Derrière ça revient très très vite aussi, hein, ça va être un peu compliqué. C'est bon, ça passe. Est-ce qu'on va rester dans le top 10? Alright Seb, you're halfway home. Your fuel is fine. The last time was at 22.28. Derrière, je sais pas comment il a fait. On a pris une demi-seconde dans cet enchaînement. Et là, il va me manger au bout de la ligne droite. Ah, moi je vais protéger ici. Still there. Clear on the left side. Ah, il est croisé. Right. Très bien joué. You're clear on the right. Ici. Bad luck, Seb. Come on, don't let him get away. Ou devant, ça s'est planté, je pense, c'est sorti. Allez, c'est l'occasion pour nous. We'll be right back.
Ah, ils vont s'amuser un petit peu les deux, ça va leur faire perdre un peu de temps. Et moi, je suis à l'affût. Sait-on jamais? Lap time was at 122.00. Sectors 2 and 3 are 0.19 off the pace. You're 2/10 off the pace in sector 1. Et je vous l'avais dit, attaquer les freins, perdre du temps. Moi je suis juste derrière, il reste 5 tours. On va voir ce que ça dit. Sinon dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la VR, si vous appréciez ce genre de vue. Je sais que certains n'aiment pas, ça les rend peut-être malades. Mais bon, si j'arrive à tenir la chaleur avec, c'est vrai que c'est complètement immersif. Et je suis même convaincu qu'on est plus performant. Parce que forcément, je l'ai déjà dit hein, sur ma précédente vidéo, avec la VR, ça permet d'appréhender bien mieux les distances, vu que c'est en 3D. Donc les distances, les points de freinage, les vibreurs, enfin, les trajectoires en gros. Donc, on va essayer de s'y tenir. Allez, donc devant c'était qui Manuel, elle était bien plus rapide, donc maintenant c'est James qui est devant, alors que je suis passé P9. Ah, il sort large, très large. Il veut rattraper devant, mais bon, ça va être compliqué pour lui. Et moi je suis derrière, on va essayer de revenir. Ici. Je sais pas comment. À chaque fois, je me fais laisser sur place. Ouais, j'ai un peu trop freiné là. Ils sont clairement plus rapides. Ou oh, attention à l'attaque devant, attention. Alors c'est bien beau d'être en première place pour voir la bagarre, mais j'aimerais bien y participer un petit peu. Malheureusement, j'ai pas le talent et la rapidité pour y être, donc.
Ah là, ça me fait toujours halluciner sur un setup fixe, comment les gars te laissent sur place. C'est le talent, mais bon. Ça fait toujours un coup moral. Heureusement, je suis meilleur dans d'autres domaines. Mais bon, en parlant de ça, il va falloir que je cherche lesquels. Allez, on va finir comme ça, 9e je pense. Toujours 9e. Allez, il va nous rester un tour. Ah bah ça double. One more lap to go. Ouh là là, ça s'attaque n'importe où. The track temperature is rising. It's now 28 Celsius. Bon ben voilà, je reviens de loin, 9e. Yellow flag. C'est pas si mauvais que ça. Well done, mate. Voilà en tout cas pour cette deuxième saison de 2019 sur E-Racing. Donc j'alternerai je pense entre la Skip et la Porsche. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, de la VR. Et puis on se dit à une prochaine. Salut.